Naintile ilite tema wakati Yesu akichukua kichukua atiaya ekologota ekologota Ekologota, ta ekologo, ekologota ni lipo pata. Kapasuka kwa hiyo neno limetimi naona njia njia ya mbingua ni kutakaswa kaswa kwa damu o ekologota ekologota lipoteswa wala O ekologota, ekologota ni lipo patara. Mokozi wangu uliutoa kunikomboa mateso yote yote ya musala ekologota ekologota ekologo ekologota lipoteswa Ekologota, ekologo, ekologota, mopata. Yote enaongo ozwa kwa mukono wangu oni naona ninaona wema wa ake sina shaka wala oni naha ya mbinguni na salama tamu na katika mambo yote ananitendea o na katika mambo yote ananitendea pema Njia yote inaongozwa ninategemea o analinda najaribu uni ananipatisha unikiona kiuhapa Nikichoka kwa safari Ninapata maji mengi Toka mwamba O
Oni apata ni na pata majime mengi toka mwamba wa mi. Onti ayote ena ongoza wa mapendo ya kebo. Anani tuliza sa wana na diake. Onitafika kwa kembingu kufurai kwa mi. Nitaimba neno hili Yesu alini. Nitaimba neno hili Yesu alini. Pepepe aleluya pepepe. Alléluia, paix dans la maison de mon père, il y a de la paix, paix. Alléluia, paix, oh paix. Alléluia, paix. Alléluia, paix dans la maison de mon père, il y a de la paix, paix. Alléluia, paix. Oh, joie, joie, joie. Alléluia, joie, 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 joie. Alléluia, joie dans la maison de mon père, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie, oh joie, joie, joie. Joie, joie, joie. Alléluia, joie dans la maison de mon père, il y a de la joie, 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 joie. Alléluia, joie. Oh, vie, vie, vie. Alléluia, vie, 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 vie. Alléluia, vie dans la maison de mon père, il y a de la vie, 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 vie. Alléluia, vie, oh vie, vie, vie. Alléluia, vie, 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 vie. Alléluia, vie dans la maison de mon père, il y a de la vie, 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 vie. Alléluia, vie. Oh, gloire, gloire, gloire. Alléluia, gloire, 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 gloire. Alléluia, gloire dans la maison de mon père, il y a de la gloire, 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 gloire. Alléluia, gloire, 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 gloire. Alléluia, gloire, 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 gloire. Alléluia, gloire dans la maison de mon père, il y a de la gloire, 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 gloire. Alléluia, gloire. La semence de discorde.
La semence de trouble. La semence de désaccord. La semence de querelle. La semence de la haine. Mbegu ya chuki. Ce n'est pas une bonne semence. Ina mbegu mzuri. Chaque enfant de Dieu doit être contre cette semence-là. Kila mtoto wa Mungu anapasha ukataria ile mbegu au kuipinganisha. Il ne faut pas l'accepter dans ta vie. Haifai kuitika ile mbegu mu maisha yako. C'est une semence du serpent. Mbegu ya sheta ya nyoka. C'est une semence qui est contre la rédemption. Mbegu ile yenye kunapinganisha ukombozi. C'est une semence qui est contre la réconciliation. Mbegu ile kunapinganisha kupatanishwa. C'est une semence qui est opposée à la parole de vérité. Mbegu yenye inapinganisha neno ya ukweli. Dieu, Mungu, au commencement, Mwanzo, sema dans le cœur de son fils et de sa fille. Alipandaka Mungu ya mwana wake na binti wake. La parole de vérité. Neno ya ukweli. Cette vérité. Il est ukweli. Une fois qu'elle est dans ton cœur. Il ukweli wakati yote inaingia moyo wako. Tu es une lettre vivante. Bona kwa ni barua iliyo hai lu de tous yenye kunasomewa na batu bote. Oui, Dieu. Nombreux vont à l'église, batu ba mingi be kwenda kanisa, ne sachant pas qu'ils possèdent en eux une fausse semence. Lakini abatambua kwamba ndani yapo beko na mbegu ya bongo. L'autre jour on nous a lu 1 Corinthiens 10. Ils étaient nombreux qui sortirent de l'Égypte. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Et nombreux aussi en nos jours ne sont pas agréables à Dieu. Abamupendeze Mungu. Ne sont pas prêts pour l'enlèvement. Abana tayari njua kunyakuliwa. Ils viennent à l'église, mais ils ne prennent pas en eux la parole. Beko na wao kanisa lakini ndani yao washike neno. Ce n'est pas pour rien que vous voyez dans ce message les gens qui adorent Frère Branham. Aina kwa bule ndio mko naona muhimu jumbe bali beko na budu nduku Branham. Des idolâtres. Bale babudu sanam. Les branhamistes. Bantu ya Branham. Ils vous diront que Branham est Dieu. Boba tamiambia kwamba juu yapo Branham ni Mungu. Ils vous diront que Branham a de l'infaillibilité de la parole. Boba tasema Branham iko na neno ile ayangukake aichokake. Tous ceux qui croient en ces choses sont la semence même de discorde. Bantu bote bale banamini bile bintu bya vile ndio yenye mbegu ya mvuruko. Car la semence de discorde, c'est tout ce qu'on peut ajouter ou retrancher à la parole. Quand nous avons commencé, nous avons relu ce que le serviteur de Dieu nous avait lu l'autre jour. Dans la semence de discorde au paragraphe 29. À présent, ce temps de la moisson. Au commencement, quand Dieu a semé sa semence sur la terre, et qu'il a placé dans le cœur de ses enfants, de sa famille, pour qu'elle garde cette parole. Oui, si tu es de la famille de Dieu, tu dois garder cette parole. C'était leur seul moyen de défense. Garder la parole.
Et l'ennemi est entré. Na adui akaingia. Il a enfoncé cette barrière en semant la semence de discorde. Akapomona ile mulango na kapanda ile mbegu ya mvuguko. C'est-à-dire quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Sema kitu yenyewe lipinganisha neno ya Mungu. Si c'était de la discorde au commencement. Kama ile mbegu ku mwanzo ilikuwa ni mbegu ya mvuguko. Même aujourd'hui, c'est toujours la même semence de discorde. Ata leo ni paka mbegu ya mvuguko. Tout ce qui ajoutera quoi que ce soit à la parole de Dieu, c'est toujours la semence de discorde. Peu importe d'où cela provient. Que ce soit d'une organisation, que ce soit d'une source militaire, que ce soit des puissances politiques, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la semence de discorde. Dieu, il faut éviter toute pensée négative à la parole. Tu dois réellement être une lettre écrite. Si toi tu doutes de la parole n'aura pas des effets sur toi. Le prédicateur nous a lu Matthieu 24:24. Montrant que dans les derniers jours, le diable sera réellement un esprit séducteur. Pour séduire, si cela était possible, même les élus. Mais c'est impossible pour un élu d'être séduit. Cette écriture doit être accomplie dans les derniers jours. Même les élus, les prédestinés, les élus pour cela seraient séduits si cela était possible. Nous sommes dans le temps de la moisson. Depuis le paragraphe 238, c'est si parfait. C'est si scripturaire. Cela paraît si bon et si clair. Que vous ne pouvez pas voir une imperfection dedans. De toute façon, seuls les élus vont échapper à cela. Eh bien, c'est ce que Jésus a dit. Croyez-vous cela? Munaminile. Croyez-vous cela? Munaminile. Oh, beaucoup ont toujours difficile à dire amen à la parole. Oh, bamingi. Beko na magumu njia kusema amen na kuneno. Croyez-vous cela, église? Munamini hivi kanisa. Cela séduirait même les élus si c'était possible. Ile ilipasha kutongozwa hata bateule kama ingewezekana. Eh bien, c'est parfaitement scripturaire. Vous pouvez voir cela avec des yeux naturels. Mais vous voyez, ce n'était pas cela. Ces pharisiens connaissaient les Écritures tout aussi parfaitement que possible. Mais selon leur propre interprétation. Comment ont-ils reconnu qu'ils n'étaient pas dans le faux? C'est par le fait que Dieu confirmait chaque parole qu'il avait promise pour lui en cet âge-là. C'est par cela qu'il reconnaissait qu'il était le Messie, vous voyez. Eh bien, remarquez, si c'était possible, en ces jours-là, il ne suffit que d'une seule parole. Une seule parole. C'est tout ce qu'il a fallu à Satan pour avoir Adam.
l'avoir juste sur une seule parole. C'est tout ce qu'il lui faut avoir aujourd'hui. Juste pervertir une seule chose. C'est tout. C'est tout ce dont il a besoin. Maintenant, vous savez que c'est la vérité. Oh, ajouter une chose ou en retrancher une, c'est un échec total. Chaque portion, toute parole de Dieu, pensez maintenant aux interprétations des séminaires. Chacune diffère de l'autre. 242. Il doit y avoir une vérité quelque part. Et la voici. La Bible. Biblia. Amen. Amen. La vérité est prêchée ici. Ukweli unaubiriwa hapa. C'est ici où il y a de l'épouse. En dehors de ces murs, c'est la semence de discorde. En dehors d'ici, vous allez trouver les adorateurs des idoles, les adorateurs des hommes. Ils sont séduits sans le savoir. Mais tu es le bienheureux. Car il est impossible que toi, tu puisses être séduit. Tous peuvent être séduits, mais sauf l'élu. Je crois que l'élu est ici aujourd'hui. Nous allons à genoux remercier Dieu de ce qu'il nous a choisi au milieu de tant d'autres personnes pour que nous puissions demeurer dans sa vérité, pour nous placer là où sa vérité est prêchée, qu'il nous aide à nous y accrochés sans relâche, de même que Jacob avait saisi Dieu. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Accroche-toi à la parole, mon frère, ma soeur, et appelle les invités, les bénédictions de Dieu à descendre. Toi qui as fait un inventaire de ta vie, qui as trouvé que c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, et tu peux parler avec Paul, c'est par sa grâce que je suis ce que je suis. Les élus seraient séduits si cela était possible. Beaucoup de gens ont cette Bible, mais ils ne la comprennent pas. Ils ont les brochures. Ils ne lisent, mais ne comprennent rien. Beaucoup de fois, Branham dit, je suis un homme pécheur. Ils lisent cela mais ne comprennent pas. Mais ils adorent du moins Branham. Ils te diront, si ton enfant est malade, place la brochure sur sa tête. Place la brochure, la photo de Branham sur sa tête. Photo de Branham cela est faux. Cela est faux et archi faux. Branham n'a jamais guéri. Toute guérison vient de Dieu.
Dieu. Matunzo yote inatoka kwa Mungu. Si cela était possible, même les élus seraient séduits. Kama iliwezekana hata bateule bange tongozwa. Mais toi tu es un élu. Sasa wewe kumteule. Tu ne seras jamais séduit. Hawezi kamwe kutongoziwa. Allons à genoux et remercions le Seigneur pour cela. Magoti na tumpikie Bwana asante njoo ya ile.
Amen. Amen. Est-ce que nous avons des malades parmi nous? Eti tuna bagonjwa katikati yetu mnyoroshe mikono. Qui ont besoin de la prière? Wale wanahitaji tupate kuombea. Regarde à côté de toi. Angalia pembeni yako. Toi qui es en bonne santé, tu te mets debout. Wewe mwenye una mgonjwa upate kusimama. La Bible dit dans Marc 16. Biblia inasema mkitabu cha Marko sura ya 16 verset 18. Sheria ya 18. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Atawekea wagonjwa mikono na wagonjwa ataponya. Et celui qui est en bonne santé se met debout pour poser les mains sur celui qui est malade. Ule mwenye ana mgonjwa apate kusimama na kuwekea mikono ule mwenye yuko mgonjwa. Et toute l'église, nous allons entrer en prière pour chasser les démons qui lient nos frères, nos sœurs. Car toutes les maladies viennent du diable. Chez notre Dieu, il y a une bonne santé. Gardez les mains levées. Qu'une sœur impose les mains à l'autre là-bas. Comme on a un montant de chouignangou la moukono, si c'est lui qui a côté de vous, vous avez levé sa main. Vous qui n'êtes pas malade, devez lui imposer les mains. Angaria ou le sœur à Karibunaoué, Angaria frère à Karibunaoué. C'est lui ou celle qui est à côté de vous. Notre Dieu veut nous donner la bonne santé. Nous devons nous imposer les mains. Kanisa tuombe. Église prions. Je vous chasse de mes frères et de mes soeurs. Libérez ce corps au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toi, les grands médecins, pose tes mains sur tes enfants, délivre-les, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Libère tous les enfants de Dieu. Toi, tu es venu pour amener la maladie, la douleur, la souffrance. Satan, sors de mes frères. Libère les corps que tu as pris à l'otage, car Jésus les a déjà délivrés à la croix de Golgotha. Sors de mes frères, sors de mes soeurs, au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui suivent en ligne, s'il y a quelqu'un qui est malade, toi, esprit malin, libère mon frère, libère ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Dieu bien-aimé, ton grand médecin. Délivre tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. C'est toi le grand médecin. Aucun démon ne peut résister devant toi. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Les démons t'ont obéi. Ils ont libéré les corps où ils habitaient. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amina. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Nous avons quelques requêtes.
Notre frère Tshibambe Musempe. Ndukuyetu Tshibambe Musempe. Il était venu ici nous prêcher l'autre année. Alikuwa kutubiri hapa ile mwaka ingine. Il a eu un problème sérieux à Kabinda hier. Jana kule ukabinda alipata mambo ya nguvu. Il a toujours mis des antennes pour élargir la diffusion de la parole de Dieu à travers la radio. Il était avec un frère hier pour monter une antenne. Et tout subitement, le frère a perdu l'équilibre, il est tombé et il est mort. La famille est venue pour attaquer notre frère, le pasteur. Nous allons prier pour la sœur Albertine pour que Dieu puisse donner solution à son problème. Nous allons prier pour frère Pascal Bantu. Il cherche quelqu'un qui puisse acheter sa parcelle. Que Dieu lui envoie un client pour acheter la parcelle. Solange Mujinga, sollicite la prière des saints, que Dieu la guérisse de toutes les maladies qui la tourmentent. Et notre bien-aimé frère Paul, demande la prière des saints pour la guérison de sa grande sœur,
qui souffre des infections. Mwenyewe anatabishwa na infection. Frère Chichi, Duku Chichi sollicite la prière des saints. Ana itaji mambia matakatifu pour que Dieu puisse donner solution à son problème. Ili Mungu alete jibu ku mambo yake. Prions. Tuombe. Les anciens et les ministres, que Dieu puisse leur donner sa sagesse et son intelligence pour qu'ils nous nourrissent d'une manière convenable. C'est Dieu seul qui nourrit son peuple au travers de ses serviteurs. Et nous allons nous souvenir de nos frères qui sont en mission d'évangélisation. Il y a notre frère Ferdinand qui prêche pour le moment à Dinanga. Et Dieu l'utilise puissamment. Notre frère Sola Daniel qui est allé à l'est. Daniel Sola est. Notre frère Nkulu qui prêche côté Kastom. Nous allons nous souvenir de tous. Prions. Notre frère Eleter Ngandu qui est en train de prêcher à Kitwe. Prions pour nos diacres et administrateurs et pour tous ceux qui travaillent dans le temple de Dieu. Prions pour eux. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons nous souvenir du président de la République, du premier ministre et le gouvernement, des autorités provinciales et aussi de notre maire de la ville.
Que Dieu puisse aider ses autorités. Car toute autorité vient de Dieu. Qu'elle puisse nous diriger avec l'amour du peuple. Prions pour eux. Nos amis de l'Est ont beaucoup souffert pendant beaucoup d'années. Comme le président a résolu d'y envoyer des militaires pour attaquer les assaillants. Demandons à notre Dieu d'assister nos frères d'essais pour une pacification totale de l'Est. Et prions aussi pour nos frères et sœurs de Goma qui ont été tous dans une grande angoisse à cause de Nyiragongo. Nyiragongo, c'est Dieu qui l'a créé. Mais que nos frères et sœurs soient gardés contre l'attaque de l'âme de Nyiragongo. Prions. Église, pendant que nous sommes dans l'esprit de prière, nos jeunes sont beaucoup plus exposés au péché que ne le sont les adultes. Tous les jeunes frères, toutes les jeunes sœurs de cette église, prions pour eux. Qu'il n'y ait personne parmi eux qui puisse suivre ce que d'autres jeunes font. Que les nôtres ne puissent pas suivre les passions des jeunes. Mais qu'ils se gardent dans la parole. Qu'ils servent la parole de Dieu dans leur cœur. Afin de ne plus pécher contre l'Éternel. Prions pour nos jeunes.
dans cette église. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ont été saisis par le démon de la boisson. Nous allons chasser le démon de bière. Que nos frères et nos sœurs de ce tabernacle soient libérés de ce démon. Prions. Now we're
Mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Amen, amen, oh, alléluia, oh, alléluia. Oh, alléluia, Père éternel, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Prince de paix, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, Dieu tout-puissant, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Christ valet, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Rose Saron, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Amen. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Amen, amen, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Père éternel, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Prince de paix, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Dieu tout-puissant, alléluia, oh, Liste Valet, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Rose de Saron, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Jésus-Christ est mon sauveur. Oh, Jésus-Christ est mon sauveur. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Amen, amen, oh, alléluia, oh. Éternel, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Prince de paix, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Dieu tout-puissant, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Fils de valet, alléluia. Alléluia, alléluia.
source de savoir. Alléluia, oh alléluia, oh alléluia. Si fu buona, buona daima, si fu buona, moyo wangu. Benda buona, benda buona, benda buona, benda buona, benda buona. Moyo wangu, moyo wangu, benda buona, benda buona, benda buona, benda buona. Daima, benda buona, moyo wangu, moyo wangu, benda buona. Omba buona dai, omba buona, omba buona dai, omba buona. Ah, moyo wangu, omba buona, omba buona dai, omba buona. Moyo wangu, moyo wangu, omba Bwana daima. Utukuza Bwana, utukuza Bwana da. Tukuza Bwana, tukuza Bwana daima, tukuza Bwana, moyo wangu, moyo wangu, tukuza Bwana, oh tukuza Bwana, tukuza Bwana da, tukuza Bwana, tukuza Bwana daima, tukuza Bwana, moyo wangu. Moyo wangu tukuza Bwana daima. Oimbia Bwana, imbia Bwana, imbia Bwana. Daima, imbia Bwana, moyo wangu, moyo wangu, imbia Bwana, imbia Bwana, imbia Bwana, imbia Bwana, imbia Bwana, daima, imbia Bwana, moyo wangu, moyo wangu, imbia Bwana. Fata buona dai, fata buona, fata buona dai ma, fata buona, moyo wangu, fata
fasta buona, o fasta buona, fasta buona dai, fasta buona, fasta buona dai ma, fasta buona, moyo wangu, moyo wangu fasta buona dai ma. Tumusifu Bwana Yesu, tumusifu Mungu wetu, tumusifu Bwana Yesu, tumusifu Mungu wetu, asifiwe, asifiwe Mungu, asifiwe, 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 asifiwe. Bwana Yesu alibeba zambi zangu, zambi zako. Bwana Yesu alibeba zambi zangu, zambi zako. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Asifiwe, asifiwe Mungu wetu. Oh Bwana Yesu alikwenda, alikwenda, tengeneza hasi yetu. Kisha tena, atarudi, atarudi, kutubeba, kwenda na. Asifiwe, asifiwe Mungu, asifiwe, asifiwe Mungu, asifiwe, asifiwe Mungu wetu. Asifiwe Mungu wetu. Oh, tutakula, tutakunywa, tutacheza, karamu. Oh, tutakula, tutacheza, tutakunywa, tutacheza, tukara. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Ni fura, ni fura, ni fura, tutaimba, tukara. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Asifiwe, asifiwe Mungu we. Asifiwe, asifiwe Mungu wetu. Ooh.
yangu ya kuona Bwana inakaribia sana ninaamini kuona Yesu uzima. Je salue chacun au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes dans la fête parce que la prière, c'est une fête de l'Église avec son Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Ayez foi que vous avez reçu tout ce que vous avez demandé. Parce que vous ne pouvez pas venir ici pour tuer votre temps inutilement. C'est pourquoi nous pouvons tenir debout pour lire la parole de Dieu.
Jérémie chapitre 28. Jérémie Nous continuons avec notre sujet, la semence de discorde. Nous voyons une autre partie. Les caractéristiques de semence de discorde. Ali, yambeko, il est yamfruko. Mambaou. Liopasu Dania Kulijifiche Damoi Merci Dieu. Parce que ton église était aujourd'hui dans la réunion de prière. Fortifie chacun. Et accorde à chacun tout ce qu'il t'a demandé. Parce que personne ne peut venir devant un grand roi et revenir, rentrer tel qu'il est venu. Toi Dieu, accorde à chacun selon son besoin. Pardonne les péchés de chacun de nous. Donne le Saint-Esprit à celui qui a faim et soif de lui. Guéris tout celui qui est entré malade. Augmente la foi à ceux qui en ont peu. Aide-moi qui veux parler. Béni le fait qui a conduit le culte du matin jusqu'à ce temps. Et que je parle de ta part. Afin que le corps de Jésus soit édifié. Béni le berger de cette église. Ainsi que ses collaborateurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans la même année, depuis le verset premier, Kwanza mstari wa kwanza, il est mwaka moya moya, au commencement du règne de Sédécias, mwanzo ya utawala ya Sédécia, roi de Juda, mfalme wa Yuda, le cinquième mois de la quatrième année, mwezi wa tano wa mwaka wa ine, Anania fils d'Azarus, Anania mwana wa Azuri, prophète Nabi de Gabaon, wa Gabaoni, me dit dans la maison de l'Éternel, akanyambia ndani ya nyumba ya Bwana, en présence des sacrificateurs, mbele ya bakuhani, et tous les peuples, na bantu bote, ainsi parle l'Éternel des armées, hivi Bwana wa majeshi anasema, le Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, je briserai les jours du roi de Babylone. Navunja, ile nyira ya mfalme wa Babiloni. Encore des années, kuna bakia miaka mbili, je fais revenir dans les lieux, dans ces lieux, tous les extensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé. Kuna bakia miaka mbili, na tarudisha ndani ya nyumba ya Bwana. Bile biombo biote na Nebukadnesar mfalme wa Babiloni alibebaka mwii ifasi. Et qu'il a emporté à Babylone. Na bile alipeleka kwa Babiloni. Et je ferai revenir dans ces lieux. Tena tarudisha ifasi.
dit l'Éternel. Anasema Bwana. Jekonia. Fils de Joachim. Mwana wa Yakimo. Roi de Juda. Falme wa Yuda. Et tous les captifs de Juda. Na bafunga bote wa Yuda. Sont allés à Babylone. Bari barenda ku Babylone. Car je briserai les jours du roi de Babylone. Sababu tavunja muziko ya mfalme wa Babylone. Jérémie le prophète. Jeremia nabi. Répondit à Anania. Akajibu Anania. Le prophète nabi naye. En présence des sacrificateurs. Mbele ya bakuani. Et de tous les peuples. Na bantu bote. Qui se tenaient dans la maison de l'Éternel. Bari barukwa mu nyumba ya Bwana. Jérémie le prophète dit. Jeremia nabi akasema. Amen. Amen. Que l'Éternel fasse ainsi. Bwana afanye hivi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Bwana timize ile maneno unatabiri. Et qu'il fasse revenir de Babylone enseigner les extensibles. Na arudishe toka Babylone kuepika ifasi. Ile l'Éternel. Ile byombo bya nyumba ya Bwana. Tous les captifs. Na bafunga bote. Seulement écoute. Lakini shikia. Cette parole que je prononce. Ii neno na nena. À tes oreilles. Kwa masikio yako. Et aux oreilles de tous les peuples. Na masikio ya bantu bote. Les prophètes. Na banabii. Qui ont paru avant moi et avant toi. Bale barku yako, mbele yako na mbele yangu. De les temps anciens. Dangu zamani. Ont prophétisé contre les pays puissants. Baritabiri juu ya mainchi ya uwezo. Et des grands royaumes. Na mafalme ya nguvu. La guerre, le malheur et les pestes. Vita ole na tauni. Mais si un prophète. Lakini kama nabii prophétise la paix. Anatabiri salama. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise. Ni kwa kutimizwa kwa bile yeye anatabiri. Il sera reconnu comme véritable envoyé par l'Éternel. Ni kusema batamtambua kusema yeye anatumwa kweli na Bwana kama bile anatabiri binatimia. Oh Anania le prophète. Sasa Anania nabii enleva les joues de dessus du cou de Jérémie. Akatosha nyira mushingo ya Yeremia. Nabii na kuivunja. Verset 16. Mstari wa 16. Naweza continue jusqu'au verset 16 mais je prends verset 16. Unaweza kuendelea paka mstari wa 16 lakini mimi nabii tu ya 16. Parle l'Éternel. Ndio kwa maana hivi anasema Bwana. Je te chasse de la terre. Tazama, weye na kutosha pa dunia. Utakufa hii mwaka. Car tes paroles. Sababu maneno yako. Sont une révolte contre l'Éternel. Ni kunitombokea mimi Bwana. Et Anania le prophète mourut. Na Anania nabii akafa. Ile mwaka. Dans le septième mois. Mwezi wa saba. Mungu abariki kusoma kwa neno lake. Que Dieu ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Najua. Je sais. Tuko najifunza mbeko ya itlaf. Nous apprenons la semence de discorde. Iko mbeko. C'est une semence. Iko bantu qui sont des hommes. Iko mafundisho qui sont des exemples ou des leçons. Il est mtu anapashwa kufanya angi sana juu kumwakati ya hii mambeko ipata kuivya yote. À cela, tout un chacun doit faire attention parce que nous sommes au temps de la maturité de toutes ces semences. Na yote mbili iko na mafasi iko naenda. Et toutes ces deux semences ont leur destination. Iko naenda kufasi ya mateso kusaka meno kulia. L'une est destinée à la souffrance, aux pleurs et aux grincements de dents. Na hii iko naenda fasi ya kupumzika. Alors que l'autre est destinée au repos. Les caractéristiques Ali ya imbeko de la semence de discord. Ali ya mbeko ya mvuruko. C'est la révolte contre l'Éternel. Imbeko inamtombokeaka wa milele. L'opposition contre la parole de Dieu. Pingana na neno ya Mungu.
La première semence est véritable. Ce qui s'ajoute est faux. Ici, dans la lecture, il s'agit de deux prophètes. Jérémie ainsi qu'Anani. Cela doit nous donner une grande leçon. Et nous, prédicateurs, nous devons prendre garde. Parce que les choses deviennent compliquées. Le frère Branham dit que tous les prédicateurs sachent que nous allons tenir avec eux devant la barre de jugement et nous serons jugés. Mais lorsqu'il s'est rendu au-delà, il a voulu savoir le sort de Paul. S'il serait jugé, on lui a dit réellement il sera jugé. Mais frère Branham a dit, j'ai prêché comme Paul. Biribiri comme ville et Paulo. Et si vous regardez tous les enseignements du frère Branham, Ancien Testament, Nouveau Testament, l'Ancien comme le Nouveau Testament, c'est conforme à l'enseignement de Paul. C'est pourquoi nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Il n'y a pas moyen que quelqu'un puisse nous apporter sa révélation personnelle. Ça n'existe pas. Toutes les révélations sont déjà dans la Bible. La révélation. Tout ce que tu peux enseigner. Si cela n'est pas conforme à la Bible, c'est discord. Il est ni mvuruko ni fujo. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens sont en train de prophétiser le mensonge même dans le message du temps de la fin. Les gens sont en train de créer des groupuscules dans leur maison, en train de prophétiser les mensonges dans leur maison. Mais en nom, si tu as le don de prophétie, prophétise dans l'église et nous entendons tous cela, afin que nous puissions le décider s'il est de Dieu ou pas. Israël a tabaké Mobutumwa après 40 ans. Dieu a dit qu'Israël devrait rester dans l'esclavage pendant 40 ans après. Anania, Anapuya, Analamuka. Et Anani est venu. Anasema dans 2 ans. Il a dit. Je vais ramener tous les ustensiles que le roi de Babylone a pris de la maison de Dieu. On a quoi? Opposition entre deux prophètes. Il y a eu opposition entre deux prophètes. Kwabile Bilisemeu. À propos de ce qui a été dit. Jérémie anasema bale balitamburi mbele yaku na mimi. Jérémie a dit tous ceux qui nous ont précédés. Balitabiri vita. Ils ont prophétisé la guerre. Ils n'ont pas prophétisé la paix. Mais toi, tu viens prophétiser. Que Dieu puisse accomplir les paroles que tu as prophétisées. Et c'est par là que nous saurons que tu es un bon prophète ou tu es le véritable. Si Dieu accomplit tes paroles ou pas. Na caractéristique ya kwanza. Et la première caractéristique. Anani alikuwa fâché. Anani akasirika. Namna ali ujibu kuku Jérémie. De ce que Jérémie ou de la manière dont Jérémie lui a répondu. Mu Kristo. Frère bien-aimé en Christ. Atuwezi kukombania Mungu mukitu ataki moja. Nous ne pouvons pas nous battre pour Dieu. Mungu aucune des choses. Dieu se bat pour lui-même. Et la victoire appartient à l'Éternel. Na ushindi ni ngambo ya Bwana. Na ile wakati. Et en ce temps-là, anavunja mukongo ilikuwa nayo Jérémie. Il a brisé le joug qu'avait Jérémie. Na Jérémie anamweleza ya kusema. Et Jérémie lui a dit,
Toi, tu as brisé le jour, tu as brisé le bois. Mais sur toi, il sera brisé le fer. Là, tu vas chercher le refuge. Dieu n'accomplit que les prophéties de ceux qui sont de ce côté. Et lorsque la situation s'est empirée, Anani a été chassé. Et Anani est mort. La fin de la désobéissance. L'incrédulité. Péché, le péché, l'orgueil, c'est la mort. Nikufa. Amen. Fin, c'est la mort. Oui, je suis habitué de vivre bien, Nikufa. Na lufu leo. Et la mort aujourd'hui. Inaweza kufanika mumwili. Peut être physique. Au inaweza kufanika mukiro. Tout comme elle peut être spirituelle. Jérémie, Genèse. Mwanzo. Hier, nous avons entendu que nous venons à l'église pour être meilleurs. Jérémie, Genèse chapitre 4. Mwanzo sura ine. Depuis le verset premier. Kwanza mstari wa kwanza. Adam koni Eve sa femme. Adam akajua awa mke wake. Elle conçut. Akachukua mimba. Elle enfanta Caïn. Na akazaa mwana jina yake Caïn. Elle dit. Na akasema. J'ai acquis un homme. Mimi napata mtu. De par l'Éternel. Kwa msaada wa Mungu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Abel akawa mchungaji wa kondoo. Na Caïn alikuwa mchungaji wa mashamba. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Caïn akamtoea Mungu matunda ya blongo. Abel de son côté. Abel kwa ngambo yake. En fit une des premiers nés. Akachakua bali wazaliwa wa kwanza. Kati ya kondoo yake. Leur graisse. Na benye kwa na mafuta. L'Éternel porta un regard favorable. Wa milele akapendezwa sur Abel et sur son offrande. Kwa na Abeli na ile sadaka yake. Il ne porta pas un regard favorable. Lakini ashupendezwe sur Caïn et sur son offrande. Na Caïn na sadaka yake. Caïn fut très irrité. Caïn akasirika sana. C'est ça la semence de discorde. Jombeko ya mvuruko hii. Son caractère. Namna kujua. Et son visage fut abattu. Na uso yake ikahuzunishwa. Et l'Éternel dit à Caïn. Na Bwana akamwambia Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Kwa nini unakasirika? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Na sababu kani uso yako inahuzunika? Certainement. Kweli. Si tu as agi bien. Ukitende mzuri. Tu relèveras ton visage. Uso yako. Si tu agis mal. Lakini ukitende mbaya. Le péché se couche à la porte. Zambi inadumu kumlango yako. Et ses désirs se portent vers toi. Na matamai yake ni mais kwako. Toi domine sur lui. Lakini wewe utawale zambi. Et cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Lakini Caïn akambia ndugu yake Abel. Mais comme ils étaient dans les champs. Lakini kama vile walikuwa mashamba. Caïn se jeta sur son frère Abel. Caïn akamwangukia ndugu yake Abel. Et le tua. Na kumuua. Caractéristique. Namna ya kujua. De semence de discorde. Namna ya kutambua ile mbegu ya mvurugo. De tuer. Ni kuua.
Tu peux tuer l'influence de quelqu'un. Unaweza kuwa uvuto ya mtu mwingine. Tu peux tuer l'influence de ta femme, unaweza de ton mari. Unaweza kuwa uvuto ya bibi yako wala ya bwana yako. Tu peux tuer l'influence de pasteur, unaweza de associé, de diacre, de ministre de l'Évangile. Unaweza kuwa uvuto ya pastori ya wakumsaidia ya bashimashi ya bari bena basha bari njema. C'est la semence de discord. Hii ni mbeko ya mvurugo. Et l'Éternel dit à Caïn. Bwana akamwambia Kaina. Où est ton frère Abel? Ndugu yako Abeli ni wapi? Il répondit. Akajibu. Je ne sais pas. Sijui. Suis-je le gardien de mon frère? Eti mimi ni mulinzi wa ndugu yangu? Les caractéristiques de réponse. Namna ya kutambua. Les semences de discord. Majibu ya hii mbeko ya mvuruko. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Sauti ya damu ya ndugu yako inalalamika toka pa dunia paka kwangu. Oui, mon frère, ma soeur. Ndio ndugu yangu na dada yangu. Ilianzaka mumbingu. Sila akumasio sien. Na revolte ya Lucifer. Par la revolte de Lucifer. Alikuwa ku service ya Mungu. Il était au service de Dieu. C'était un ange précieux. Il avait de la valeur devant Mais Dieu. L'orgueil. Lakini kiburi. Il m'ufikisha kumwangusha. L'a amené à la chute. Na il orgueil. Et cet orgueil. Ashikwa satisfait. Ce qui n'était pas satisfait. L'esprit de la semence de discorde. C'est de ne pas être satisfait. C'est l'insatisfaction. Vous n'êtes pas satisfait de ta femme. Autocheke na bibi yako. Vous n'êtes pas satisfait de ton mari. Autocheke na bwana yako. Vous n'êtes pas satisfait d'un frère. Autocheke na ndugu na dada. Ce que tu as, c'est ce que Dieu t'a donné. Dieu qui le Mungu alikupa. Il faut être satisfait. Furahi na kile kitu. Apana kutamanie bibi wa bantu. Ne faut pas envier une femme d'autrui. Kama alitafuta kwa bibi yangu. Si elle pouvait être mon épouse. Kama alitafuta kwa bwana yangu. Si celle-ci pouvait être mon mari. Uyo ya kusema aona satisfait. Sache que tu n'es pas satisfait ou satisfaite. Na esprit de semence de discorde. Et c'est l'esprit de la semence de discorde. Itafikisha mukufanya madega. Ça va te pousser à causer des dégâts. Munyumba yako. Dans ta maison. Munyumba ya Mungu. Dans la maison de Dieu. Yote. Et partout. Angalia majibu. Considère un peu les répliques. Ile Kayen ashikujua ni nani niko najibuye imam. Et Kayen n'a pas identifié à qui il adressait ses répliques. Mungu alimu pose question. Dieu lui a posé une petite question. Au lieu ya ku répondre. Au lieu de répondre. Mais analeta jibu ya namna ingine. Mais il a répliqué, il a mal répondu. Jomana sauti ya Mungu inasema. C'est pourquoi la parole de Dieu dit. Muntu yote atasambiwa. Tout un chacun sera jugé. Kwa masemu yote ya bure bure ilitoka mukinywa yake. De toutes les paroles vaines qui seront sorties de sa bouche. Unajua tuko kontrole. Savez que nous sommes contrôlés. Ville Amérique qu'on a contrôlé monde mujima par des satellites. Comme l'Amérique est en train de contrôler le monde entier par des satellites. Mais ville Nachetu qu'on contrôlé par satellite de Dieu. De même aussi nous sommes sous le contrôle du satellite de Dieu. Il n'y a aucun endroit où quelqu'un peut se cacher. Il n'y a aucun refuge. Tout à somme. Hébreux chapitre 4. Oui, Brania Suraïne. Hébreux chapitre 4, depuis le verset 12. Car la parole de Dieu
Kwa maana neno ya Mungu est vivante et efficace. Ni hai na ya uwezo. Plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants. Ya makali kuliko mpanga yoyote ya makali kwili. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Yenye kuingia mpaka kukabula nafsi na roho. Jointure et moelle. Viungo na mafuta ya mifupa. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Iko na hukumu ile mania na mawazo ya mioyo. Nul créateur n'est caché devant lui. Hakuna kiumbe hata kimoya kenye kufichwa mbele yake. Nul créateur. Hakuna kiumbe hata kimoya. N'est caché devant lui. Kenye kufichwa mbele yake. Mais tout est nu. Lakini byote ni wazi. Na utupu. Aux yeux de celui à qui. Kumacho ya ule mbele yake. Nous devons rendre compte. Tunapaswa kusamba. Oui. Ndio. Qui semble qui quoi? Le jugement est là. Qui le monte yote atalete lipotiake mbele ya Mwenyezi Mungu. Tout un chacun va rendre compte devant Dieu. Wakati unatoka mkifua ya baba yako. Lorsque tu sors du sein de ton père. Uningia ndani ya mama yako. Tu entres dans ta mère. Wakati unafika kufasi ya kuzalikiwa. Lorsque tu arrives à la maternité. Bana branché ma caméra. Les caméras sont branchées. Unatoka mtumbo ya mama. Tu sors du sein de ta mère. Unafanya ah. Tu pousses le premier cri. Ile sauti yako bana enregistrer. Ce premier cri là est enregistré. Date où les ali quoi biote. Date de naissance. Tout est enregistré. Maintenant fasi yote utaanza kutembea. Et maintenant partout où tu iras. Dans tous les âges que tu vas traverser, tous les actes que tu vas poser, tout cela est enregistré dans le satellite de Dieu. Et lorsque le moment arrivera, les livres seront ouverts. Nous passerons au tribunal de Christ pour rendre compte. Dieu a kusamba. De tout ce que nous avons fait sur cette terre. Pasteur Ashiyu. Pasteur Ashiyu. Bajakra Abajou. Les diacres ne connaissent pas. Bonayako Ashiyu. Ton mari ne connaît pas. Bibiyako Ashiyu. Ta femme non plus. Mais Koko Djicho Moy. Mais il y a un seul œil. Frère Branham a prêché un message. Le frère Branham a prêché un message. L'œil de Dieu. Licho Yamungo. C'est Christ. Ni Christo. Christ c'est la parole. Christo ni neno. Et qu'on a observé. Qui observe. Et qu'on a fouata. Qui suit. Je parle. C'est pourquoi. Nilisema ile siku. J'ai dit ce jour-là. Comment, sœur. Comment, toi ma sœur. Banakuzala mon message. Tu es né dans ce message. On a commencé mon message. Tu grandis dans le message. Ya wakati ya mwisho. Dans le message de l'heure. Comment problème inatoke kundo. Comment est-ce que tu connais des difficultés ya dans le mariage? Kusema abakukutanisha bikir. Selon lequel tu n'as pas été trouvé vierge. Nani alifika kukwaribisha. Qui t'a déshonoré? Frère Branham a l'ouvri message moi. Frère Branham a prêché un message. De ce moment-là. Kwanza il est temps. Il est ça. Il est ça. Kitu kinaweza kusabulukiwa. Rien ne sera oublié. Acte yote ya kwanza ulifanya. Le premier acte que tu avais fait. Na siku unaijua. Et même le na jour tu le sais. Ulifanya. Tu connais bien l'endroit où tu as posé cet acte. Kama we mtu. Si toi homme. Unaijua. Tu connais cela. Itajeshape mbele ya Mungu je. Comment est-ce que cela pourra échapper à Dieu? Itafichama mbele ya Mungu je. Comment cela pourra-t-il échapper à Dieu? Tu kuna consacrer mariage. Nous consacrons le mariage. Des gens qui se sont déjà connus. Les autres sont enceintes. Qui trompez-vous? Tu rendras compte seul devant Dieu. C'est pourquoi kasirani ya mtu. C'est pourquoi la colère de l'homme. Aifanyaka kitu kizuri. N'accomplit pas la volonté de Dieu. Kama unashirika. Si tu te mets en colère. Ujitenda zambi. Ne commets pas le péché.
Si tu te mets en colère, que le soleil ne puisse pas se coucher sur ta colère. Et Paul dit, soyez toujours joyeux. Chaque fois, chaque instant, soyez toujours joyeux. Ushikuye na tristesse. Apana kuwa na huzuni. Ushikuye na kitu kinaweza kuampesher. N'ayez pas quelque chose qui peut t'empêcher. Je vous dis ceci. La parole de Dieu dit, si tu as un différent problème contre quelqu'un, et tu te rends compte que tu as un problème contre quelqu'un, laisse ton offrande là. Va d'abord arranger avec cet homme-là. Et après avoir réparé, viens et offre ton sacrifice. Aujourd'hui ce soir. Aujourd'hui ce soir. À cette heure où je vous dis, si tu avais indifférent avec ton mari, si vous étiez fâché l'un contre l'autre, si vous ne vous échangez pas des paroles, si vous n'aviez pas encore arrangé cela, toute ta prière d'aujourd'hui n'est pas arrivée devant Dieu. Cela erre seulement dans les airs. Parce que Dieu te connaît. Il faut croire en règle. On n'a pas choix quoi, Moussawa. Kila wakati na kila mal. Avec Dieu à chaque instant, mais à chaque heure. Mais si tu n'es pas en règle avec Dieu, l'opposition à la parole. Kupingana na neno ya Mungu. Ne vous privez point les uns les autres. Apana, vous qui êtes mariés. Mweye benye kolewa na si ce n'est d'un commun accord. Apana kukatariana pa kitanda, pour la prière. Juu ya maombi. Maintenant tournez ensemble. Sasa, pour que Satan ne vienne pas tenter ou empêcher votre prière. Ili shetani ashukue kuzuiza maombi yenu. Mara ngapi? Combien de fois? Masiku ngapi? Combien de jours? Miezi ngapi? Combien de mois? Ile munyumba yenu. Amupatana tena bubibi ni na bwana. Vous n'avez plus de relations intimes. Vous êtes en opposition à la parole de Dieu. Vous êtes en opposition à la parole de Dieu. Peut-être vous êtes semence de discorde. Pengine mwe mukumbeko ya mvuruko. Qui s'oppose à la parole de Dieu. Ile iwe na pingana na neno ya Mungu. C'est pourquoi bapendwa. C'est pourquoi frère bien-aimé. Tunaweza kuyajua kulomba. Nous pouvons venir pour prier. Mais kama tuna sincère. Mais si nous ne sommes pas sincères. Kama tuna honnête. Si nous ne sommes pas honnêtes. Maombi yetu haiwezi kufika kwa Mungu. Notre prière ne peut pas arriver à Dieu. Cet caractère. Et ali. C'est caractère de la haine. Ni ali ya chuki. De la jalousie. Ya buivu. Des calomnies et de l'orgueil. C'est ce qui empêche aux gens. Ce qui empêche les gens de marcher conformément à la parole de Dieu. Ce sont ces dossiers ici. Dans une des prédications de Frère Franck. L'église de premier né. Kanisa ya bazari wa kwanza. Yego nasema mambo ya Kayen na Abel. Il parle de Kayen et d'Abel. Anasema Kayen. Il dit Kayen. Ali concevoir ibi bitu muro yake. Il a conçu ces mots dans son cœur. Mais binaji manifesté pansula yake. Mais cela s'est manifesté sur son visage. Yo Mungu ana remarqué. C'est ce que Dieu a remarqué. Pourquoi uko fâché? Yani unakasirika. Pourquoi uko abattu? Pourquoi est-ce que tu es abattu? A lui observé. Il a observé sur son visage. Il n'a qu'un pansol. Cela était manifeste à son visage. Unaona, si tu vois. Tunaza kupitana. Nous commençons à nous passer autour. Atuyua tena kusalimiana. Nous ne savons plus nous saluer. Atuna tena mufura ya bien. Nous ne sommes plus dans la joie. Kubitu biku kaché. Alors, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur. Il faut réparation. On n'a pas choc tengeneza bile bitu. Kama uku mambo na nduku. Si tu as indifférent contre mettez un frère, les choses en ordre. Ouais, c'est pourquoi jana, nous sommes arrivés au point apana kupeleka nduku
où nous avons dit, ne faut pas traduire le frère ou la soeur en justice. Ne faut pas amener ta femme à la justice pour divorcer. Et pour vous partager les biens. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. L'un d'entre vous, depuis le verset premier, dans cette église, l'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injuste et non devant les saints? Voilà, si mbele ya batakatifu. Est-ce que pasteur a échoué dossier yako? Est-ce que le pasteur n'a pas pu résoudre ton dossier? Basocié ba li échoué dossier yako. Les anciens n'ont pas pu résoudre ton dossier. Diacre ba li associé ba li échoué dossier yako. Les diacres n'ont pas pu résoudre ton dossier. Kamabo ba na échoué. Si eux échouent. Nous avons une parole. Nous laissons tout à Dieu. Que Dieu tranche l'affaire. C'est tout. Même si c'est 10 000 dollars. Même si c'est une affaire qui coûte la mort. Frère en Christ. Nous sommes au temps où nous devons vivre toute parole de Dieu. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas? À plus forte raison, les choses de cette vie. On t'a laissé une parcelle. Tu as détourné la parcelle d'autrui. On t'a donné quelque chose pour garder. Tu les détournes. Dans ton dépôt. Kisha. Et après. Oh, ça vire ba pasteur ba na échoué. Oh, comme les pasteurs n'ont pas pu résoudre cela. Je vais traduire celui-ci en justice. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. C'est ça la semence de discorde. Révolte contre la parole de Dieu. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Comment est-ce que vous allez le faire? On va vous poser une question telle que vous n'avez pas une église. Est-ce que vous n'êtes pas membre d'une église? Où est-ce que vous rendez à l'église? Vous dites au tabernacle. Est-ce que votre tabernacle n'a pas pu juger? Votre tabernacle n'a pas pu vous réconcilier? Ma soeur, mon frère. Mon frère, ma soeur. Faites attention. Qui est bangé? On a ouais quoi semence de discorde sans le savoir. Une semence de discorde bien que tu vois. C'est déjà certes. Quelli un défaut chez vous. Quelli nous n'importe ça.
que d'avoir de procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas? Plutôt quelques injustices. Pourquoi ne vous laissez-vous pas? Plutôt de dépouiller. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Oui. Frère Anakuweka mon dépôt. Le frère t'engage dans son magasin, dans son dépôt. Afin que tu puisses garder ses biens. Mais dans ce dépôt là, nuitamment tu vas détourner des biens, tu les amènes à destination inconnue, et tu amènes le frère à te traduire en justice pour que vous alliez plaider. Je ne sais pas, dans ce tribunal là, allez-vous vous appeler monsieur ou vous allez continuer à vous appeler frère? Lorsque vous allez commencer à vous appeler frère ici, allez-vous appeler votre frère, monsieur ou frère? C'est pourquoi l'église doit faire très attention. Ne soyons pas scandaleux. Ne causons pas de scandale aux autres. Comment ouais, frère? Et comment toi, frère? Qui a déjà des enfants âgés? Qui va tabasser ton épouse? Jusqu'à lui arracher des dents. Qui va tabasser ta femme? Qui la laisse en slip devant les enfants qui observent leur mère? C'est des scandales. Malheur à celui. Malheur à celui qui amène des scandales. Jusqu'à aujourd'hui. 30 ans mon message. Vous avez fait 30 ans dans le message. 15 ans mon message. 15 ans dans le message. Il se peut que tu aies déjà des petits-enfants. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à supporter de la part de ton épouse? Jusqu'à la tabasser de toute façon. Bapagan. Même les voisins qui sont des païens viennent pour vous arrêter, pour vous conseiller. C'est pourquoi tu ne les consacré mon mariage. C'est pourquoi nous disons aux frères que nous consacrons dans le mariage. Si vous avez un différent, n'allez pas auprès de vos parents biologiques. Ne faut pas aller, je ne sais pas, accuser votre femme dans ta famille, dans la famille. Parce que la famille va appuyer. Mais si vous amenez ce dossier là à l'église, l'église ne va pas considérer tel ou tel autre. Deutéronome chapitre 17. Semence de discorde. Depuis le verset 8. Si une cause relative à un meurtre, à un différent, voilà, kukosana, à une blessure, voilà, kilonda, te paraît trop difficile inaonekana kwa kusema ni mgumu sana, à juger kwe kukumu, et fournir matière à contestation dans tes portes. Na bantu banaza kubishana juu ya ile mambo. Tu te leveras. Utalamuka. Tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Utenda kufashi ile Bwana Mungu wako atachakula. Ira vers les sacrificateurs. Utenda mbele ya bakuani. Les Lévites. Balawi. Vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Mbele ya ule atawa natumika kazi ya mamzi. Tu les consulteras. Utabauliza. Ils te feront connaître la sentence. Na bo batakuonesha wala batakata mambo. Tu te conformeras. Utichika. À ce qu'ils te diront. Utichika bile bo batakuonesha. Bandelier
que choisira l'Éternel. Fashile bwana Mungu akwata chakula. Tu auras soin d'agir. Utatenda kwa utaratibu. D'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Fatana na bile boba takufundisha. Aiku kusema pasteur minenda mbele nikawaza. Ce n'est pas dire pasteur donnez-moi un peu de temps je vais réfléchir à propos. Niku nenda mbele kuwaza nitakuwa kuleta suite kesho. Oh mon Dieu, je vais d'abord donnez-moi du temps je vais réfléchir et je viendrai vous donner la suite demain. Mungu abacheza kana. On ne se joue pas de Dieu. Kile ukunapanda, c'est que tu sèmes, ndio kile utavuna. Tu le moissonneras. Ndio pale. C'est pourquoi. Et tu te conformeras. Na utichika. Wala kufuata. À la loi qu'ils t'enseigneront. Utafuata ile sheria watakufundisha. Et à la sentence qu'ils auront prononcée. Na ile mambo vile bataikata. Ma sœur. Dada yangu. Vous avez des différends avec ton mari. On a bébé valise ya qu'on a massangi ya qu'il y a cadeau ya mariage. Il emballe ta valise ainsi que je sais pas moi les assiettes les cadeaux de mariage. À destination de chez vous notamment. Mambo inafika kubaze ya kanisa. Et les anciens de l'église apprennent cela. Ou encore les diacres apprennent cela. Bana ku téléphone. Ils t'appellent au téléphone. Ou bana kufikiria panyu. Ou encore ils viennent en personne à la maison. Kada bébé bintu rudia nyumbani. Ils disent ma sœur regagne ton domicile. Hakuna discussion. Hakuna kubishana. Ushikokotana nabo ata kidogo. N'engage pas des discussions contre eux. Sinon, uko semence de discorde. Kama unafanya hivi huko mbeko ya mvuruko. Oui, mon frère. Dio ndugu yangu. Unatoshe bibi inje. Tu renvoies ta femme. Oh, kwaye kurudie paka famille décidée. Oh, pour qu'elle puisse revenir, il faut famille que la famille puisse décider. Famille yabapagano, bantu abayuo mungu. Votre famille païenne, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont ces gens-là qui prononcent la sentence sur l'enfant de Dieu. Lorsque les diacres viendront, les anciens de l'église viennent. Ils te montrent ce que tu dois faire. Ils disent donnez-moi un peu de temps pour que je puisse réfléchir à propos. Oh, je vais d'abord penser à propos de cette femme-là. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils te diront. L'homme qui parle l'orgueil, c'est ça la semence de discorde. L'homme qui parle l'orgueil n'écoute pas les sacrificateurs. Placé là pour servir l'Éternel ton Dieu. Ou qui n'écoutera pas les juges. Voilà où les attaquants cet homme sera puni de mort. C'est ça la fin. De la semence de discorde. C'est la mort. Na utaacha kuya na kukanisa. Et tu vas cesser de venir même à l'église. Na utaanza kukimbia ba frère. Et tu vas fuir la présence des frères. Nuru aikimbiaka ngiza. Et la lumière ne peut pas fuir Giza les ténèbres. Ce sont plutôt les ténèbres qui fuient la lumière. Sisi, et c'est pourquoi nous, ya Mungu. Nous sommes la semence de Dieu. Mungu wena, mutubintu, nous nous soumettons à notre Dieu même dans des détails, dans des petites Atai choses. Kungufu, quelle que dure soit-elle, tukunati. Nous obéissons parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas contester avec notre Dieu en toutes choses. Semence de discorde. La semence de discorde est une très mauvaise chose. C'est une chose qui est arrivée. Corée d'Adam Abiram. C'est quelque chose qui est arrivé à Corée d'Adam et Abiram. Contre Moïse. Ils se sont opposés à Moïse. Moïse alienda kwa mwanamke wa mu Egypte. Parce que Moïse a épousé une Éthiopienne. Aaron duku yake na Miriam. Aaron, son frère ainsi que Miriam, sa sœur. Se sont opposés. Bana murmuré. Ils ont murmuré. C'est pourquoi hier j'ai dit. Au lieu de murmurer. Parle par ton pour la parle. Parle. C'est ma tout mambo veiko. Qu'on t'entende. Mambo ya kuikujie. Comment est ton problème? Na ile wakati. Et
en ce temps-là, Myriam, Myriam a été frappée de lèpre. C'est ainsi que notre Dieu agit. Frère, Douyango. Et nous, serviteurs de Dieu, être serviteur de Dieu n'est pas une garantie. Je vous dis la vérité. Jésus dit, nombreux viendront Seigneur, et diront, Boana, nous avons prêché en ton nom. Nous avons imposé aux gens les mains en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom. Et il dira quitter. Ce sont les serviteurs. Si tu es ministre de l'évangile, ne sois pas en opposition avec la parole de Dieu. Ne combat pas la parole de Dieu. Et sournoisement, tu joues avec les femmes. Tu sais bien que tu ne peines pas une bonne vie. Tu vis une vie d'adultère, tu es un escroc. Arrêtez de prêcher. Arrêtez de prêcher. Acha kubiri. Parce que tu ne vis pas ce que tu prêches. Sababu auishi bila benye wewe unafundisha. Prédicateur doit vivre ce qu'il prêche. Kubiri anapasha kuishi bila unafundisha. Ne soyez pas semence de discorde. Hapana kuwa mbeko ya fujo. Unapinganisha sauti ya Mungu. Kitopoza la parole de Dieu. Unakombanisha benzako. Kitopoza a tes collaborateurs. Unakombanisha benzako. Kitopoza a tes collaborateurs. Unafanya makritike ya kanisa. Qui critique l'église. Mtu yako na critique bibi. Quelqu'un qui critique son épouse n'est pas normal. Il est de même avec celui qui critique son épouse. Il n'est pas normal. C'est une mauvaise personne. C'est ainsi que Corée et Dathan et Abiram. Na 250 ainsi que 250 personnes influées. Les gens qui étaient influencés dans leur troupe. Mungu alibafanya kitu. Dieu vraiment a agi contre eux. Moïse a dit à Corée et Dathan, n'êtes-vous pas satisfait de ce que Dieu a fait de vous? Vous voulez encore prendre l'encensoir? Gardez votre poste que Dieu vous a commis. Il ne faut pas apporter du désordre. Comme nous nous sommes rendus en Afrique du Sud, un administrateur, il est parti avec toute la caisse de l'église. Il est parti avec. Et qu'on a décidé, mon canisa. Il décide dans l'église. Il dit, pasteur, tu n'as rien à dire ici. On ne se moque pas de Dieu. Administrateur, garde ton poste. Tu n'es pas appelé à l'ascensoir. Sinon, tu peux être une semence de discorde. Na diacre mupendo. Et diacre bien-aimé. Ou assistant du pasteur. Ou comme ça, il dit au pasteur. Ou associé du pasteur. Oui, auna, faites attention. Keba ange, keba nous, ange. Diacre, nous décidons. Tu peux être une semence de discorde. Sans le savoir. Ainsi la terre s'est ouverte. Bantu baningia, bajim. Les gens ont été avalés. Na bulongo, bunafungo. Et la terre s'est refermée. Mais la Guinée, pourquoi secret moi? Il y avait un secret. Batoto ya Corée. Les enfants de Corée. Ils étaient du côté de Moïse. Lorsque la terre s'est ouverte, Corée, ainsi que sa femme ont été avalés, c'était tout. Les enfants sont restés du côté de Moïse. Et ils ont eu la vie sauve. C'est pourquoi. Souvenez-vous de la semence de discorde. En ce qui concerne Akan, ainsi que sa femme, il n'était pas honnête dans ce qu'il faisait. Au lieu de dire la vérité, ce sont eux qui sont allés vendre leur bien. Ils ont les appareils.
ils n'ont pas su que l'église a été sous une autre forme. Anakuya, lorsque Anani est venu, ni Pierre, ule masiku yote. Sachant que c'est Pierre auquel il est habitué, yenu ya kanisa, comme vous avez vos anciens de l'église, vous savez que vous êtes déjà habitué à eux. Les jugements qu'ils rendent à leur bureau yote sem, et tout ce que vous dites, cela va vous causer des ennuis. Péché retourne à ce qui a péché. Ah, Zambi na kudria kwa ule ardenda Zambi. Na ile wakati. Et en ce temps-là, bote baningia. Tous sont entrés. Na bale baliona événement vili na pita. Et ceux qui ont vu ce qui s'est passé, bana kimbia. Ils ont fui. Anasema bulongo shikuye kufunguka. Ils ont dit que la terre ne s'ouvre pas et nous avalait tous. S'absenter de l'église n'est pas une bonne chose. Bibi wa Akan, la femme d'Anani. La femme d'Anani était absente de l'église. Et arriver à l'église où il faut commencer avec les autres. On n'a pas choisi quoi pour monter la béguine. Il faut commencer avec les autres. Kama huku nafika na retard. Si tu arrives en retard, qu'il te ya kwa ina complet ya ile siku. Pas complet ce jour-là. Iko kipande. Tu as prié à moitié. C'est pourquoi Frère Branham est qu'on a sème. C'est pourquoi Frère Branham dit. Babrebi wakati be kuna fungule milango juu ya kuingia mwanglo. Lorsque on ouvre la porte pour que les brebis puissent entrer. Dans l'enclos, aucune brebis ne peut s'entrer. Lorsque le berger ouvre, baningia, toutes les brebis entrent. Il les compte na anafungu. Et il referme. C'est tout. Mais Frère Branham. Mais Frère Branham. C'est un prophète. La kini ni nabi. Amen. Frère Frank. Frère Frank. C'est un serviteur de Dieu. Ni mutumishi wa Mungu. Anasema. Il dit. S'absenter à l'église. Kulofwa kumakutano. C'est un péché contre l'église. Ni kutendea kanisa Zambi. Parce qu'il y a l'écriture. Sababu koko andiko. Qui dit n'abandonnez pas notre assemblée. Ile inasema tushache makutano yetu. Comme c'est le coutume de quelques-uns. Kama vile ni zoezi wabantu bengine. Maintenant Frère Branham yeko nasema. Maintenant le Frère Branham dit. Pour s'absenter à l'église, demandez l'autorisation à votre pasteur. Omba pasteur wako akurusu. Yo mukupaka. Oh pasteur. Parce que vous avez toujours des raisons. Voyez votre pasteur même dans des petites choses. Oh pasteur, la Bible le Frère Branham dit. Mais il n'a yo, pour s'absenter. Demandez votre autorisation. Pour s'absenter. Et tout en russo ni l'offre. Afin qu'il sache là où tu es parti. Il ne sait pas ce que tu vas faire. Na akuombe Mungu. Il sache ce que tu vas faire. Mais et qu'il puisse prier pour toi. Mukanisa. Mais toi tu t'absentes de l'église. Oui mon frère. Dion Duyango. T'assomme quelque chose. Je vais lire quelque chose. Ce que je dois à mon pasteur. Ma pasho yangu mbele ya pasteur wangu. Je dois le respecter comme un homme de Dieu. Mina pasho kumheshimu mchungaji wangu kama vile mtu wa Mungu. Manque de respect. Kukosa heshima. C'est la semence de discorde. Ni mbeko ya mvuruko. Je dois respecter ma femme. Mina pasho kuheshimu bibi yangu. Je dois respecter ma famille. Na pasho kuheshimu jamaa yangu. Je dois respecter mon église. Na pasho kuheshimu kanisa yangu. Je dois respecter mes conducteurs. Na pasho kuheshimu biongozi yangu. Ah, pale huko semence ya Mungu. Ah, si tu fais cela, tu es la semence de Dieu. Mais si tu ne le respectes pas. Lakini kama ubishimie.
Je dois aimer mon pasteur. C'est-à-dire ministre, tous les anciens premiers ministres, tous les conseils de l'église. Je dois les aimer. Si je suis en opposition, qui prêche aujourd'hui? Léo Ninani Naubiri. Ah, c'est elle. Niflani. Ah, je vais m'absenter du kit. Semence de discorde. Semence de discorde. Vous devez savoir que les serviteurs sont différents. Et vous, serviteurs, prêche dans la langue que tu maîtrises bien. Tu ne connais pas l'anglais ou tu ne maîtrises pas l'anglais. Ou en français, on appelle de prêche dans la langue que tu maîtrises bien. Les gens n'ont pas besoin du français. Ce dont ils ont besoin, c'est des paroles qui sortent de ta bouche. C'est de cela qu'ils ont besoin. Et vous, église, vous devez faire attention. Un prédicateur, même s'il s'amène en babouche, même s'il n'a pas de costume, même s'il est habillé en aïeul, ne regardez à la parole. La parole qui te prêche, c'est celle qui va te diviser. C'est celle qui va bien te positionner. Le respect à tout le monde. C'est très important. Il continue. Je dois prier et jeûner pour mon pasteur. Mina pasha kuomba na funga chakula juu ya pastor wangu. Uko na jifungia. Tu t'enfermes. Priant pour ton pasteur. Vous les avez. Vous avez vos anciens de l'église. Tu pries pour l'église. Tu pries pour les serviteurs de Dieu. Je dois toujours honorer mon pasteur. Mina pasha kila mara, kuheshimu pastor wangu. Un ancien, c'est un homme honorable. Mzee ni mtu anastahili heshima. Que le mariage soit honoré de tous. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Le mariage doit être honoré. Et ndoa inapaswa kuheshimiwa. Mais s'il n'y a pas l'honorance dans le mariage. Lakini kama hakuna heshima ndani ya ndoa. Il y a deux semences. Kuko mbeko mbili. Semence ya Mungu. Mbeko ya Mungu. Na semence ya Satan. Ainsi que la semence du diable. Il faut que tirer attention. Vous devez faire attention. Et qu'on endelee. Il continue. Je dois me tenir à ses côtés. Mina pasha kujunga ngambo yake. Ça veut dire je ne peux pas le combattre. Ni kusema siwezi kumkombanisha. Uji de mauvaises choses. Wala kumsemea vitu vibaya. Je dois me soumettre à mon pasteur. Mina pasha kumtii pastori wangu. Mais comme kuna kueleze bintu. Mais si te dit. Bazebe kuna kueleze bintu. Il te dit quelque chose. Bajakrebe kuna kueleze bintu. Les diacres te disent quelque chose. Kuna jisoumettre au apan. Est-ce que tu te soumets ou pas? Na mweba ubiri ba hii église. Et vous, serviteurs de cette église, je vous dis ceci. Soyez les modernes. Moué Mifano. Liliamini Ujumbe. J'ai écrit au message en 1976. En 1977, j'ai commencé à prêcher. Depuis Tango. Depuis, je suis toujours du côté du pasteur. Je ne me suis jamais querellé avec lui en aucune chose. Je ne l'ai jamais critiqué. Premièrement, c'est un bon conseiller pour moi. Comme il prend soin de moi, c'est vraiment différent. C'est pourquoi, frère, vous devez respecter ces gens avec qui vous êtes. Vous devez vous soumettre à eux. Vous devez écouter leurs conseils. Mais calculez. Comptez un peu. Depuis ces années-là, aujourd'hui, c'est plus de 40 ans. Ou 40 ans de plus. Ou au-delà. C'est-à-dire, notre état est devenu tout autre. C'est pourquoi je lisais le frère Franck. Dans une circulaire éditée en 1975, je vous recommande. Il dit, Namiwonya,
de lire 1 Corinthiens chapitre 13. Chaque jour de votre vie, même si je parlerai en langue, si je n'ai pas l'amour, il continue disant ceci: je ne dois pas blesser mon pasteur. Je vais écouter un pasteur par un mauvais comportement. Parce que sinon, tu as quoi ces masses de discorde. Je ne peux pas blesser mon pasteur par un mauvais comportement. Pasteur Anasema, acha. Le pasteur dit cesse. Et toi, tu dis je ne peux pas abandonner. Moukou n'a discuté mon bureau. Il y a pasteur de discuter dans le bureau avec ta femme. Mon attafoute ma raison. Vous cherchez à avoir raison. Je ne sais pas les arguments que vous êtes en train d'avancer. Mufanya angi. Faites attention. Le retour de Jésus-Christ est proche. Aidez. Je ne dois pas chercher à tuer son influence auprès des gens. Chiwezi kutafuta niwe ufuto yake wala kavumu yake kubantu. Je dois être fidèle à mon pasteur. Je dois l'obéissance à mon pasteur. Je dois faire tout ce que je peux afin d'alléger sa tâche à mon pasteur. Dossier inaza na 8h. Le dossier commence à 8h. Il commence à 15h. Commencez à plaider jusqu'à 15h. Inaza après culte. Et après culte, vous pouvez commencer. Vous allez jusqu'à 23h. A ou alléger, pasteur Wakumuziko. Ah, tu n'allèges pas la tâche mais à ton pasteur. Mais de véritables semences de Dieu. La kinimbeko y appelle Yamungu. Pasteur Wangu. Mon pasteur. J'ai entendu tout ce que mon épouse a déclaré. J'ai entendu tout ce que mon mari a déclaré. Voilà mes erreurs. Mon mari pardonne-moi. Ma femme pardonne-moi. Le pasteur ne pourra pas prendre 20 minutes à cela. Ou une heure du temps. Il faut léger. On n'a pas choix. Comme ça dit, comme si quoi que mon PC. Il faut léger. On n'a pas choix. Comme ça dit, comme si toi Congo. J'écoute mon pasteur prêcher la parole. Niko na shikia pasteur wangu wala kuteka sikio kama na ubiri neno. Je dois écouter mon pasteur. Mina pa shok teka sikio kama pastori ana ubiri neno. Hapa mina toka. Comme j'ai quitté. Il est laissé ba technicien. J'ai dit au technicien. Biote pasteur tabaké pour prêcher. Tout ce que le pasteur va prêcher à mon absence. Ma flash disque. Mettez-le dans le flash disque. Na pemina kuye niko na ma flash disque ya pasteur. Et pendant que je viens, je suis. Il mina pasho kumushiki. Accompagné de flash disque de prédicateur de prédication de mon frère. C'est pourquoi frère. Et les associés et les ministres de Dieu faites attention na pasteur Wenu. Ange na pasteur Wenu. Anasema mtu ashitoke niko naleta enseignement fulani. Et dit que personne ne puisse voyager. Au lieu de moi kuikala kushiki. Au lieu de rester écouté. On a pas dispersé. Ah moi bote mon assemblée là. Je redis où qu'on a posé question. Et tu reviens en train de poser la question. Disant qu'est-ce que le pasteur a prêché. Ah peut-être c'est une semence de discorde. Ah on a vu ça quoi mbeko ya mvruko. Je dois écouter mon pasteur prêcher. Mais n'a pas choc chikia quand le pasteur wangu na biri. Oui mon frère. Je pose mes questions à mon pasteur. Niko namuliza pastori maulizo yangu. C'est ce que je dois faire. Jo mapasho yangu. Je dois avoir foi à mon pasteur. Mina pasho kumtumainia pastori wangu. C'est pourquoi. Frère Branham dit, si vous avez la foi dans la prière de votre pasteur, kama una imani maombile pastori naomba, vous verrez tout ce que tu cherches. Utaona bile biote unatafuta. Dieu va te donner. Mungu atakupayo. Je dois écouter mon pasteur. Mina pasha kumshikia pastori wangu. Je dois écouter mon pasteur. Mina pasha kumshikia pastori wangu. Parce que je ne suis pas semence de discorde. Sababu mishi na mbeko ya fujo. Je consulte mon pasteur même dans des moindres problèmes. Niko naenda kumuliza pastori hata mtu mambo tudogo.
Je dois chercher à avoir une place dans le cœur de mon pasteur. Je soutiens mon pasteur à 100%. Et je dois avoir pleine confiance en mon pasteur. Je dois dire à mon pasteur tout ce qui me concerne. Même votre adultère, qui doit en parler, tes projets. Mulisha fanya masikilizano na bantu. Vous avez déjà, vous nous êtes déjà entendu avec des gens. Consulté pasteur, vous n'avez pas consulté le pasteur. Dieu y a amipati et ma conseil. Pour qu'il vous donne des conseils. Maintenant, balisha kukukula la franga. Et maintenant, quand tu as escroqué de l'argent. Là où on a maintenant quoi, pasteur. C'est alors que tu t'amènes auprès du pasteur. Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir. Ce n'est pas ainsi qu'il faut agir. Conseil bana ilomba kambele ya sa. Le conseil se demande avant de s'engager. Apana ulisha fanya mambo. Et non, tu as déjà commis de kulomba conseil. Et c'est alors que tu viens demander conseil. Mon frère. Apana ndugu yangu. Ekunasem. Il dit. Pour m'absenter des services. Je dois solliciter la permission de mon pasteur. C'est ça un véritable chrétien. Un enfant de la maison. Psaume chapitre 1er. Zaburi sura ya kwanza. Psaume chapitre 1er. Zaburi ya kwanza. Depuis le verset 1er. Kwanza mstari wa kwanza. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heri mtu ule ashifuate ile shauri ya bantu wabaya. La méchanceté. Baya. C'est la semence de discorde. Ni mbeko ya mvuruko. Qui ne s'arrête pas sur la voie des péchés. Les péchés, c'est la semence de discorde. Et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Les moqueurs, c'est la semence de discorde. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme des pailles que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voix des justes et la voix des pécheurs amène à la ruine. La semence de discorde vous amène à la ruine. Oui, mon frère, ma soeur. Kurudi kwa Yesu Kristo ni karibu. Le retour de Jésus-Christ est proche. Jésus-Christ est kusawa sawa jana leo ata milele. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tuko benyi kwa chana na makanisa. Nous sommes différents des dénominations. Tuko na ubiri bintu bile binapasha kupeleka bantu mumbimu. Nous prêchons les choses qui peuvent amener les gens au ciel. Kama unakuya. Si tu viens. Tu n'es pas encore baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ton temps. Amini Jésus Christ. Crois au Seigneur Jésus. Patie Jésus Christ maisha yako. Donne à Jésus-Christ ta vie. Et sois baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Nduku dada mupendo. Frère et soeur bien-aimé. Ni nani mtoto wa Mungu I magharibi. Qui est enfant de Dieu ce soir? Neno la Mungu inagusa moyo wake. La parole de Dieu a touché son cœur. Anapenda kujalinye na sauti ya Mungu. Il veut se conformer à la parole de Dieu. Kuja kumasabao. Viens à l'autel. Upokee Yesu Kristo. Reçois Jésus-Christ. Ubatizi umumaji mingi mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baptisé par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ. Upata usamehe wa mazambi zako. Afin que tu reçoives la rémission de tes péchés. Mungu atakupatia ubatizo ya Roho Mtakatifu. Et Dieu va te donner le baptême du Saint-Esprit. Nani mon frère, ma sœur? Qui des frères ou des sœurs? Neno la Mungu inagusa moyo wake. La parole de Dieu a touché son cœur. Hata pale nje. Même si tu es dehors. Okovu. Le salut. Iko nambatana ku imani. Le salut est lié à la foi. Tu crois? Unabatiziwa. Tu es baptisé. Unaokolewa. Et tu es sauvé. Nani mon frère, ma sœur? Qui des frères ou des sœurs? Mungu anaita siku ya leo. Dieu t'appelle. Oya apata kumupokelea. Viens afin que tu le reçoives. Apana kushikia haya. N'aie pas honte. La muka na ukuja kumazabao. Tiens-toi debout et viens à l'autel. Tutakumbuka mumaombi. Nous allons te souvenir de toi dans nos prières. Kama kukumuntu ekumukonjo. Si y a quelqu'un qui est malade. Kamata fasi ukonjo yako iko. Touche à l'endroit qui te fait mal. Avant ya miku remettre chair. Avant que je ne remette la chair. Niku naomba juu ya bakonjo. Je prie pour les malades. Baba Mungu aliye juu mbinguni. Seigneur Dieu du haut des cieux. Ukumungu mwenye uwezo yote. Tu es le Dieu tout-puissant. Tazama bale bote benyikuwa na makonjo. Regarde tous ceux qui sont malades. Ata bale beko na tufuata kunjia internet. Même ceux qui nous suivent par internet. Kila mtu yako mwenye kukamata fasi ukonjo yake iko. Tout un chacun a touché à l'endroit qui lui fait mal. Na ukonjo yote ni démon. Et toute maladie est un démon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, démon. Toi démon. Fasi balisha kukutwanga kilona. L'endroit où tu es. Toka na wacha fasi. Sors et libère l'endroit. Mipiko na kuvilonde vya Bwana. Par les mères du Seigneur Jésus-Christ, que le malade reçoive sa guérison. Notre Dieu glorifie-toi. Délivre celui que tu peux délivrer. Pardonne les péchés de celui qui est. Tu donnes la guérison aux gens par leur foi. Guéris-les au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. À santé. Inclinons nos têtes. Dynamis habituayetu. Et j'invite Frère Msafiri à venir clôturer la prière. Alikandu Msafiri après, à partir de Kumaliza Maombi. Milele na milele unabaki ya Mungu. Tunasema sante magharibi ya siku ya leo juu ya presence yako. Baba, pewe sifa kwa maana uko na prendre soin ya kanisa yako. Wakati unasema mwini namna, ninaamini ya kama kweli ile mbeko ya mvuruko inatoka katikati yetu. Jufujo ilianzia tokea mbingu, inateremuka tena leo mudunia, lakini bako anabakia paka upande wako. Bariki mtumishi wako. Yeye anasema sawa vile mtu, lakini tunapokea maneno anasema saa ya kutokea kwako. Sabile neno yako itokake bure bila kutimiza sababu wewe Mungu unaitoshea. Tunaamini kama kweli tunabarikiwa. Asante e Bwana Mungu. Séjour yake upate sana kumbariki wakati wote kuna tafuta uso wako. Chakula takula, maji atakunywa wewe peke Mungu upate ubitakasa. Asante Bwana Mungu. Ubariki kila mmoja wetu. Munjia ya kurudia. Urudi na kila mmoja wetu. Ule alikuwa na problemu yake, ninaamini kama kweli ashapata jibu.
bariki pasta wetu na ubariki bazee wetu na ubariki kila mtu chako mwanaume na mwanamke ni mjina la Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo na kuomba hivi amen. Que Dieu soit loué. Le dimanche, j'invitais beaucoup de nos bien-aimés pour venir écouter la parole. Le pasteur Ekaka est encore avec nous. Il reste encore une semaine. Invitez les gens pour que Dieu puisse les sauver. Notre sœur Mélanie est hospitalisée au centre de santé Médecins Sans Frontières. Frère Eleter Ngandou nous salue depuis Kitwe où il prêche. Le dimanche, ça sera le dimanche de Krefeld. Le culte commencera à 8h juste. Nous devons venir à temps pour donner aussi beaucoup de temps au pasteur Ekaka de pouvoir prêcher avant que Frère Franck ne prenne la chair à 10h juste. Tous les jetons seront ensemble dimanche matin. Jetons A et B. Tous les jetons ensemble le matin. Et le port des masques est obligatoire. Si tu n'as pas de masque, tu ne vas pas entrer. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Allons dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.